D'accord, là c'est bon. D'accord, là c'est bon. Allez. L'avocate. Lundi, vous êtes cloné. Dimanche, c'est continu. Vendredi, samedi, dimanche, quand commence lundi, quand pétonine la réanimation. Ça demande beaucoup d'efforts. Ad service l'humain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades. Et alors, je vais partir partager un truc. Alors, finalement, les staphs pygmalion, octobre. Alors, la semaine dernière, là, bon, le staff dernier, tout à la traumatologie. Je vous rappelle que Ashkenagna, qui peut me rappeler la première question qu'on doit se poser devant un trauma, déjà, allez. Grave ou pas, en se basant sur quels critères? Critère de Viteb, avec la fameuse astuce éléphant. OK, après cette question, c'était quoi? La deuxième question? Stable ou pas, sur quel plan particulièrement. Majda, ne joue pas avec ta caméra avec la Benti. Très bien. Et pour évaluer un trauma, donc on fait la méthode A, B, C, D, E. Qui peut me rappeler le A, c'était quoi? Le A, c'était airway. Le B, c'était breathing. Le C, allez, tout le monde doit participer. Allez. Le C, circulation. Le D, disability. Et le E, c'est exposure. OK. C'est bon? Très bien. Elle était comment, Ismaël, le traumatisé? Comment vous avez trouvé le traumatisé? Elle était comment? Désactivez vos vidéos, micro à faire compte. Elle était grave. Quels sont les genres de détresse qu'elle avait, Smaï? Est-ce que vous vous rappelez des détresses qu'elle avait? Donc ça, c'était le E de Ismaël. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Voilà, elle avait une détresse respiratoire, neurologique, et est-ce que vous vous rappelez? Et quoi d'autre? Donc, on va dire, mais principalement, quelle détresse qui était vraiment au premier plan? Non, j'allais aider. Voilà, regarde. Quelle détresse était au premier? Est-ce qu'elle était polypnéique? Oui. Polypnéique. Hypotendue, avec une discrète pâleur, et elle était inconsciente. D'accord? Alors, si on a. Elle a les trois détresses, est-ce qu'on est bien d'accord? Ok, très bien. Très, très bien. Si nous avons à les classer par ordre de priorité chez ce malade, je ferai attention à quelle détresse? Franchement, pas de respiratoire. Respiratoire, même si elle est chez le malade, pourquoi? Abdelbel. Non, mais chez Ismaël, chez Ismaël traumatisé, pourquoi le respiratoire chez Ismaël? On va pas trop. Non, mais déjà sur la vignette clinique, qu'est-ce qui se passe?
Elle n'a pas de signe de lutte respiratoire déjà, elle l'ou là. Elle n'a pas de cyanose. Donc, a priori, à part la polypnée, tout va bien. Donc, avec la polypnée, il peut être dû à quoi? La polypnée peut être due à quoi? Au collapsus, à l'encombrement, à la chute de la langue, la base de la langue, plein, plein de choses. Moi, si j'ai à classer chez ce malade, chez ce malade, je dirais d'abord l'état circulatoire. Parce qu'il est hypotendu, il est tachycarde, regardez ici, il est tachycarde, et elle est pâle et elle est marbrée. Donc, il présente des signes d'hypoperfusion périphérique. Okay? Bien sûr, en deuxième position, c'est la détresse neurologique. Donc, Glasgow 7 sur 15. C'est bon? Donc, mais ceci étant, il va falloir le conditionner. Voilà, quand le conditionnement a dû aller, on a la lettre S comme spine. Est-ce qu'on est bien clair? C'est bon? Selon l'exposure, quels sont les points d'impact que Casmail? Je mets les points d'impact. Elle a un point d'impact au niveau du crâne. Vous avez vu le scalp? Donc, crâne, face. Elle a des écorchures thoraciques. Et elle a des écorchures au niveau des membres inférieurs. Ça marche? Est-ce que ça marche? Désactivez vos vidéos. C'est clair? Ok. Très, très bien. Alors maintenant, il faut savoir que flou, fastidieux, un malade, on ne dit pas polytrompe d'emblée. Quand est-ce qu'on va dire polytrompe? Quand est-ce qu'on dit trauma grave et quand est-ce qu'on dit polytrauma? Alors, les écorchures, est-ce qu'on prête attention aux écorchures? Pas vraiment, mais ça nous donne une idée indirecte du point d'impact. Pas après quand est-ce qu'on peut parler d'un polytrauma? Après le bilan lésionnel. Donc, je dis trauma grave en fonction des critères de gravité. D'accord? Et je dis polytrauma lorsque j'aurai un bilan lésionnel. Alors, quand est-ce que je définis le polytrauma? Pas de micro, s'il vous plaît. Pas de micro, s'il vous plaît. Je vais mettre le milieu de tous. Allez, c'est après. Bilan lésionnel. Donc, vous notez à faire comme chez vous, dans vos bloc-notes, la définition du polytrauma. C'est quelqu'un qui présente au moins deux lésions, au moins deux lésions, dont une peut engager le pronostic vital. Ça veut dire que c'est après le bilan lésionnel. Donc, plus correctement, si vous avez à présenter une observation d'un AVP, il a déjà m'a dit, monsieur, c'est un patient admis pour polytrauma suite à un AVP. Non. On dit plus correctement, monsieur, c'est un patient admis pour traumatisme grave suite à un AVP. Ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez saisi la différence? Donc, trauma, c'est avant le bilan lésionnel, le trauma grave. Polytrauma, c'est après. Alors maintenant, un polytrauma, un trauma, souvent, il a des lésions, beaucoup de lésions. OK? Comment ces lésions, elles vont interagir entre elles? Quels sont les mécanismes d'interaction des lésions entre elles. Supposons un malade à deux lésions. Ils peuvent se... Très bien, sommation, engagement, aggravation, très bien. Nous avons trois mécanismes. Allez, nous avons trois. Amplification, occultation, potentialisation. C'est bien tout ça, c'est bien. Très bien. Alors, notez le premier mécanisme. Le premier mécanisme, c'est la sommation. C'est la sommation. Il faut noter, la sommation, ça veut dire 1 plus 1 est égal à 2. Vous avez compris? Attendez un exemple, il y a deux lésions. Il y a 15 kounouhda, pas grave. Il y a 10 mois, ça devient grave. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple de deux lésions. Les S'ils sont prises séparément, rien. Fracture du fémur plus cap. Excellent exemple, oui. Fracture du fémur et pied du scap, oui. Fracture du fémur, fracture du bassin. Oui. Très bien, Mariam. Ça, c'est lésion des deux artères.
Et je dirais, non, Mariam, il a cité le bon exemple, c'est fracture des deux fémurs. Alors écoutez, il a un patient qui a un fémur cassé. Ce n'est pas trop grave. Bon, il peut se compliquer après, mais pas sur le champ. Mais si elle a les deux fémurs cassés, ce n'est pas bon. Avec un fémur, on risque déjà de perdre 1,5 litre. Il a donné les deux fémurs, c'est 3 litres. Donc, ce n'est pas bon. Donc, c'est la sommation. Est-ce que c'est bien clair? L'effet du lésion, tu disais d'aller à la lésion, c'est la sommation. C'est clair? Eh bien. La baradine chauffe-eau, le deuxième mécanisme, lequel? Oui, c'est Winada. Alors, on va parler de l'occultation. Alors, c'est quoi l'occultation? C'est quoi l'occultation? Voilà, Kenza, bravo. C'est une lésion qui en cache une autre. Dites-moi un exemple. C'est une lésion qui cache une autre lésion. Dites-moi le meilleur exemple. Bon, j'ai une fracture. Pas vraiment. Dites-moi un exemple, s'il vous plaît. Trauma crânien, fracture des membres, oui. Un exemple, bang. Allez. Piste accessoire minoré, puis motoris, rupture. Ah, rupture de verre, franchement. Non, moi, je cherche toujours la bonne réponse. Qu'est-ce qui risque de cacher maintenant une contusion abdominale? Les amis, quand on a un hémopéritoine, qu'est-ce qu'on a comme symptôme? Allez, épuis. Répondez à ma question. On a le ballonnement, oui. Quoi d'autre? On a la défense, oui. On a aussi la douleur. Qu'est-ce qui risque de cacher tout ça? Qu'est-ce qui risque de cacher la douleur? Il va, chez Halia qui va pousser le patient à ne rien sentir. C'est quoi? Trouble de conscience, perforation. Voilà, enfin, il fallait vraiment pousser. C'est le traumatisme vertébro-médulaire. Très, très bien. Supposons quelqu'un ait une lésion du rachis cervical ou en même temps un traumatisme de l'abdomen. Est-ce qu'il va sentir la douleur au niveau abdominal? Est-ce qu'il va vous dire qu'il a mal au niveau de l'abdomen? Du tout, il ne va pas vous le dire. Et pourtant, il a lésion Khayba. Dans ce cas-là, on va dire que la lésion du rachis cervical, il va aggraver, il va, pardon, cacher, pardon, je dis bien cacher la lésion abdominale. C'est l'occultation. C'est bon? C'est bon? Et alors, on continue. Le troisième mécanisme, lequel? Ah, le troisième mécanisme, c'est amplification. Très bien. Alors, c'est quoi l'amplification? Alors, pardon, Sylvain, l'occultation, vous mettez, l'occultation, à faire quand vous mettez 1 plus 1 est égal à 1. Occultation, vous mettez 1 plus 1 est égal à 1. C'est bon? Et alors, je déballe l'amplification. C'est quoi l'amplification? C'est une lésion qui aggrave l'autre. Très, très bien. C'est 1 plus 1 est égal à 3. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut... Attendez un exemple. Voilà. C'est exactement ça chez l'humain. C'est un trauma crânien et thorax. Le crâne, il va gêner le thorax. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, déprimer les centres respiratoires. D'accord? Et le thorax, le fait qu'il donne maintenant avec sa lésion thoracique une hypoxémie, ça va aggraver un œdème cérébral. D'accord? Très, très bien. Est-ce que c'est clair, l'amplification? Alors, qui peut me récapituler les trois interactions des lésions au cours d'un trauma? Allez, les trois mécanismes.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Bravo, très très. Il y a l'année, peut-être qu'on a la diapositive. Donc la sommation, l'occultation et l'amplification. En fait, c'était la dernière slide de la semaine dernière. La sommation, l'auscultation et l'amplification. Est-ce que c'est clair? Tout à l'heure, je vous posais la question par rapport à Ismaël. De quel mécanisme il s'agit? Donc, rappelez-vous très bien de ces trois mécanismes. La sommation, l'occultation et l'amplification. C'est bon? Donc, j'ai fini par cette date qui est vraiment historique pour les Marocains. Adia, t'as pas le 11 janvier et les fériés, vous le savez. Et vous savez pourquoi? Allez, Hab, je suis imprimé. Ah, ben, il a combien de chapeaux? Vous pensez que je vais poser la question combien de chapeaux? Je suis imprévisible. Ah, c'est un jour férié. Combien de gilets blanches? N'importe quoi. Combien regarde face à la caméra? N'importe quoi. Combien d'hommes barbus? Oui. N'importe quoi. Bon, revenons à cette date. C'est quelle date? Oui, ça peut être ça. Combien d'hommes ont des moustaches? C'est la date de la fête de l'indépendance. Wa Akbar. Ya salam, al-thaqafa al-amma. Ya salam. Je pense que je vais convulser. Je vais préparer de l'hypnovel à côté de moi. هذه الله بغا يدير اجتمعوا بغا يديروا وثيقه مطالبه بالاستقلال تقديم عريضه الاستقلال سي اكزاكتومون سا دونك لو مانيفيست دو 11 جانفي 1944 اي ان اكت غوندمون سيمبوليك ماروك اي كونسيليد اي فورماليز لي بريز دو بوزيسيون ناسيوناليست ايسو دو مانيفيست كونتر داهي البربير لو 11 جانفي سي اوفيسيلمون ان جور فيري اجي بدا عارفين امتى لا دات دانديبوندونس دو ماروك La date d'indépendance. Ah oui, les oui. C'est 56. Tu peux lire ce qu'on va appeler les Kemlis chez 200 gars disciplinés. Alors, à quoi les 75. Non, mais vous êtes sérieux? هادشي ما درناش لكم لا ليتيراتور بحال داك العام هذاك العام درت لهم لا ليتيراتور هما راه عاقلين عليها لي غودوبلو راه عاقلين سيتي تري دور لا كولتور جينيرال هذاك العام تري تري دور كي سو رابيل دو لا كولتور جينيرال لاني ديرنيير سيتي فريمون تري دور مو اوسي جي ابري بوكو دو شوز Alors en fait, officiellement, c'est le 18 novembre 1955, voilà qu'il me bdèche officiellement tel le 2 mars 1956. Mais la date qui est retenue, c'est le 18 novembre 1955. C'est bon? Et là, on avance vers le staff d'aujourd'hui. C'était le reliquat du staff dernier. Je vais vous appeler promotion culture générale. Allez, et on va partager. Et ça commence toujours par... Par quoi? On commence par quoi? On commence par quoi? Sa dépendance. Allez, je me a pris sa dépendance. N'importe quoi. Par le nom. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas qu'un seul nom, mais deux noms. Bletia Hindima Kim Zroba. Tayarek. Quelles sont ces deux personnes? Allez, quelles sont ces deux personnes? Merci Wikipédia.
Gogolian, des cousins à Staline. Oui, c'est possible. Chat errant, n'importe quoi. Un chazin, joli moustache. Tchèvo. Ah, ben c'est fini avec le marin. Il va peut-être me suivre sur Google à tête moragine. Ils sont sérieux, c'est pour cette raison qu'ils ont réussi leur vie et leur carrière. Ah, Juha, Amin B. Un smic Juha, Amin. Ils ont l'air d'être arabes. Non, ils ne sont pas arabes, ils sont français. Charles B. Alors, là, il s'appelle celui qui est à votre gauche. Il s'appelle comment? Celui qui est à votre gauche. Il s'appelle Guilain. Et celui à côté s'appelle Barry, tout simplement. C'est monsieur Guilain et monsieur Barry. Elles étaient derrière la première description clinique du fameux syndrome qu'on appelle tout souvent. Ce sont deux personnes. En fait, ce sont trois personnes. Guilain, Barré, Stroll. Stroll me prêche ma. Donc, vous l'êtes, Smaël, Guilain, Barré. Quelles sont leurs spécialités? Ben voilà, tu apprends des choses. Quelle est leur spécialité? C'est des neuro. Non, c'est des neurologues, tout quoi. Alors, voici là. Est-ce que vous saviez que c'était deux personnes? Sincèrement, est-ce que vous saviez qu'ils étaient deux personnes? C'est vrai? Eh bien, comme quoi on apprend des choses, c'est l'espace virtuel. Alors d'abord, celui qui est à votre gauche, c'est Charles Guilain, né et mort en France, c'est un neurologue. Et celui à votre droite, c'est Alexandre Barré, c'est un neurologue français, c'est HZ ou maître. Ils avaient décrit pour la première fois une observation clinique qu'ils ont publiée portant leur nom, le syndrome de Guillain-Barré. C'est une polyradiculonévrite réversible associée à une dissociation hypomyélocytologique. En fait, ils étaient trois. Guillain-Barré, Stroll. On a la description clinique, mais que les recherches ou les abhats, le côté de la polyradiculonévrite, on peut le syndrome de Guillain-Barré. Ça marche? Ça, c'est vraiment quand tu vois des gens qui, la médecine porte, ils se rappellent de leur nom, ça, c'est extraordinaire. On aimerait tous un jour faire un truc qui frappe l'humanité et qui porterait votre nom. D'accord? Ouais, très bien. Greek. Et alors, on continue. Alors, pour notre patient Smaël, qu'est-ce que vous proposez comme traitement initial? Allez, dites-moi. Qu'est-ce que vous proposez pour Smaël, traitement initial? Allez, qu'est-ce que vous proposez? Proposez rien? Allez-y, remplissage, oui. Attends, je ne barque le goulier remplissage sans citer ni la quantité, l'objectif intentionnel. Je remplis pour un objectif. Donc, je note dans mon bloc-notes remplissage. À chaque fois, Ragnelli, comme je remplis pour un objectif. Les barques, j'ai oublié le remplissage tout court. On va faire objectif 10. Très bien, Zakaria, oui. Qui fait ces lésions neurologiques? Elle a demandé les lésions neurologiques, mais elle a dit que c'est 15e de Glasgow. Très bien, donc on va remplir. Et arrêtez avec vos vidéos, arrêtez avec vos vidéos. Donc nous allons remplir, yek, et on vise une PAM, chacun la PAM 85, ou la PAS
120 زيد رامبلي سا زيد Je donne quoi aussi? Je donne de l'exacide, la dose, les amis. La dose de grammes badam. Merci. Je grammes. Est-ce que j'ai dit 2 grammes? J'ai dit 2 ampoules de 0,5 grammes. Voilà, c'est 1 gramme. Je n'ai pas de terre. Les amis, j'ai rempli, ça fait la révision. Je vois si ma tension bouge ou pas, sinon je vais donner des vasopresseurs. Rappelez-moi la dose de noradré. Allez, la dose de noradré. Très bien, c'est 0,1 gamma par kilo par minute. Ok. Je fais quoi d'autre aussi? Je peux demander rapidement un petit examen qui se fait au lit du malade, lequel? Je vais demander un taux d'hémoglobine capillaire, c'est l'hémocu. Alors, l'hémocu, il est à 8,2. Notez chez vous. L'hémocu à 8,2. Selma Jamil, des télé entre en Suisse, pas le chef de service. Tu goûtes à la tarte, entre en Suisse. En Suisse, chef. Wa khala la kenza ben kela, entre en Suisse, wa khala hajja kenza. Moi, il y a un 2,7,15 de Glasgow, ou bref, transfusé. Tu vois que là, allez. Alors, si jamais je vous donne plus le poids, c'est 70 kilos pour tout le monde. Après, elle a fait les cas cliniques, les quiz. Si je ne vous donne pas le poids, après, elle a. Si je ne vous donne pas le poids, c'est en général 70 kilos. Alors, on donne combien? On va commander combien? Oui, là, c'est environ 2 kilos à Aïtbeta. C'est 2 kilos globulaires, c'est bon? 2 kilos globulaires et je surveille. C'est clair? Donc, on va récapituler à ce stade-là. Donc, traitement initial, je remplis pour une pression artérielle moyenne de 85 mm de mercure. Je mets de la noradrénaline, par exemple, j'ai choisi 0,2, mais ça peut être 0,1 aussi. Je vais injecter de l'exacyl les premières minutes. Le premier mois. Je fais mon hémocu à 8,2. Je vais transmettre 2 kilos. C'est une erreur de ma part. C'est 2 kilos globulaires. C'est une erreur. Et je surveille mon état hémodynamique, d'accord? C'est juste un choix. Non, tu peux commencer par 0,1. Moi, j'ai pris le choix de... C'est 0,1 ou 0,2. Vous avez de la marge. Ça fait de 0,1 à 1 gamma. En général, on commence par 0,1. C'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Très bien. Et je surveille l'état hémodynamique. Les formules de transfusion, Marjorie Léon, je suis désolé, Zeynep, tu n'as qu'à vérifier les stats précédents. Ne venez pas au milieu d'année sous le nez. Alors, la télécom, c'est progressif. Restez régulier. Et vous allez voir, vous allez vous transformer comme si la semaine. Approche, nous les stats. Prenez, notez tout. Ne ratez aucun stat. Promis. Très bête de rater les stats parce que c'est gratuit et je pense qu'on apprend beaucoup. Donc ça ne dépend que de vous. Yeah. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Allez. Bien sûr, on va compléter par une intubation. Alors, le PFC, pas pour le moment, là, il n'est pas en choc hémorragique ce patient. D'accord?
Est-ce que ce patient est en choc hémorragique, sincèrement? Est-ce que vous pensez qu'il est en choc hémorragique? Non. Et pourquoi il est en train de me faire chuter l'hémoglobine à 8,2? Pourquoi, à votre avis? Alors, son hémoglobine m'a obtenu bizarre. Obtenu qui m'a obtenu bizarre. Parce qu'il sait, ok. Alors, visiblement, il sait où ce patient. Non, il n'a pas de signe d'hypoperfusion périphérique. Ça peut être le SCAP, donc c'est une hémorragie externe. Ça peut être l'interne, un hémopéricarde, un hémopéritone, etc. Ça marche? Très bien. J'ai bien dit, Oussama, Allah d'Ali, qu'on vérifie les stats avant. Ne venez pas comme ça. J'ai bien dit que collapsus ne veut pas dire automatiquement un état de choc. Inch'Allah, on allait constater les états de choc, allez-y, allez-y en détail. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant? Quelle est la question à se poser? Je te réponds par là, vérifie le staff dernier. Quelle est la question à se poser maintenant? Une question, une question, une question. Est-ce que on est en train de surveiller? Parce que ma fenêtre, c'est stable. Est-ce qu'il est stable d'abord le patient, à votre avis? Est-ce qu'il est stable? Bien sûr qu'il est instable. Il est instable sur le plan hémodynamique, inconscient. Donc, en attendant qu'il se stabilise, quelle est la question que je dois me poser? Voilà, l'examen complémentaire. Alors, comme le traitement initial, quelle est la question que je vais me poser, la question, quelle est la question que je vais me poser pour les examens complémentaires? Quelle est la question? Bien sûr qu'on a intubé. Très bien. Alors, à ce stade-là, à ce stade-là, qui me donne un traitement initial, je dois me poser la question par quel examen je dois commencer. Après, là, toujours, par quel examen complémentaire je dois commencer? Par quel examen je dois commencer? Bien évidemment, dans le cas des malades instables, je dois les faire au lit du malade. Ça marche? Je dois les faire au lit du malade. Donc, voici la slide. Quel est le premier examen clinique à demander ce patient? Est-ce que tout le monde connaît ces trois phases écho, à part les redoublants et les triplants? Alors, je pense que les triplants, les redoublants, il y a à la fois les novices là. Alors, je vais m'adresser aux novices. Pour faire très simple, on va dire ce patient-là, il est en train de me faire de la pâleur. Une anémie à 8, d'accord? Donc, visiblement, il saigne, ok? Les saignements, ça peut être des saignements externes, visibles. Quels sont les saignements visibles qu'on peut voir chez quelqu'un traumatisé? Le scalp, une plaie qui saigne, une fracture qui saigne, une épistaxie, voilà, exactement. Alors, ça peut être une hémorragie externe. Ça peut être une hémorragie extériorisée. C'est quoi une hémorragie extériorisée? Extériorisée. C'est quoi une hémorragie extériorisée? C'est-à-dire le saignement qui vient d'en bas et qui sort. Voilà, mélena, hématurée, hématène. Très, très. Qui est très peu le cas de la traumatologie vitale. Et le troisième type de saignement, c'est une hémorragie interne, très très bien. Alors, ça peut saigner où? Quelles sont les hémorragies internes qu'on ne voit pas et qui peuvent donner une anémie aiguë et un état de choc? Ça peut être un hémopéritoine, oui. Les hémorragies cérébrales, pas vraiment. L'hémorragie cérébrale, ça peut faire engager, mais pas entraîner une anémie aiguë. Un hémothorax, oui. Un hémopéricarde, exactement ça. Et pour savoir où on a le penchement, on va faire une échographie d'une façon très très rapide. Alors en anglais, ça fait fast. En anglais, ça fait fast. Mais derrière cette fast, ici, c'est une abréviation en fait. En anglais, ça fait fast. Mais c'est une abréviation. Alors qui connaît l'abréviation?
Qui connaît l'abréviation? Focused, assessment sonographique photon. Alors en fait, c'est une échographie. On ne va pas demander de tout détailler. Qu'est-ce qu'on va chercher par cette échographie? Juste comprendre est-ce qu'il y a un épanchement ou pas. C'est une question binaire. C'est juste comprendre où est-ce qu'il y a l'épanchement ou pas. C'est un goulot. On cherche l'épanchement dans les trois, H. Dans les 3P. Donc, je dois chercher un épanchement dans les 3P. C'est bon? Les 3P, très bien. Et comment est-ce possible? Comment on peut chercher les épanchements dans les 3P? En réalisant quoi? Tout simplement, une échographie. Une échographie, ça fait? Alors voici la vraie abréviation. Fast échographie. Fast, c'est une rapidité comme abréviation. Alors, et c'est une abréviation. Focus, il y a une ciblée. Focus, ciblée. C'est-à-dire, brinaklebo ciblée. Mais après, je dis assessment, c'est évaluation. Oui? Sonographie. Sonographie, c'est les ultrasonores. C'est l'échographie. D'accord? Faux trauma, d'accord? Est-ce que c'est clair l'abréviation? Est-ce que c'est clair? Très, très bien. Fast écho. Donc, quel est l'intérêt? Quelle est la grande indication de la fast écho? Allez. Quel est le grand intérêt? La grande indication, c'est quoi? Chercher les épanchements. Mais quel trauma grave? Quel trauma grave? Le trauma grave instable, très très bien. Alors, tu vas dire, اكتبوا في هذا الورقة صغيرة اكتبوا تروما غراف او ميليو انت اللي كتبت حالكم تاعكم تروما غراف او ميليو صافي اكتبوها تروما غراف او ميليو صافي vous mettez une flèche verticale en bas. Faites comment? Trauma grave, hémodynamique, point d'interrogation. C'est bon? Je regarde une de l'autre de l'hémodynamique. Il y aura combien de flèches? L'hémodynamique. Les amis, deux flèches. Une flèche à gauche, instable. Une flèche à droite, stable. Quel est l'examen d'imagerie à demander lorsque l'hémodynamique est instable? Fast. Et quel est l'examen d'imagerie quand l'hémodynamique est stable? C'est bon? Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, je vois l'hémodynamique, instable, c'est fast. Vous arrivez à voir, les amis? Et hémodynamique stable, c'est bas du scan. Très, très bien. Comme je suis changer de fenêtre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il suffit juste de cliquer sur la fenêtre, ce serait là. Vous avez compris ce que j'ai dit? J'allais dire quoi? Tiens, moi, les gens flèquent. Marche. Allez. Externe, il y a une petite belle la lésion. Je vais bien, 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 bien
une plaie saignante, une fracture du film. Extériorisé, l'origine du saignement, elle est à l'intérieur, mais il sort. Elle a une hématémèse. Hématémèse, elle a le sang, elle a le tube digestif, mais ça sort à l'extérieur. D'accord, c'est ça la différence. En tout cas, les hémorragies, mettent une épistaxis. Mais quelle est l'origine? La rappelée narine, mais ça sort. Une hémorragie extériorisée aussi. C'est clair? Bien. Yeah. Maintenant. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Dites-moi. Et là, les amis, c'est le plan D. C'est quoi des trucs en bleu? C'est la position de la sonde. C'est là où on met la sonde. Voilà. Alors, la sonde, on la met dans combien de positions, à votre avis? Dans combien de lieux, pardon? C'est combien de sites? Non, c'est juste quatre sites. Non, c'est juste quatre sites. Alors, en fait, c'est le même site. L'orientation, c'est le premier site, elle explore quoi? Ce site-là, c'est l'atteinte de la lèche, l'atteinte de la tête, mal le thorax. On explore quoi ici? Quel espace on explore? En fait, sur la machine, elle est d'atteindre la paroi thoracique. On explore un espace entre quoi et quoi? Un espace qui existe entre quoi et quoi? Voilà, c'est l'espace de Morrison, mais c'est entre quoi et quoi? Voilà, c'est entre le foie et le rein, qui doit être virtuel, d'accord? Un autre, je l'ai chiquem. Mais la sonde, elle explore quoi? Quel espace? Entre quoi et quoi? Entre le rein et la rate. Très, très bien. La sonde, elle explore quoi? C'est le cul-de-sac de Douglas, OK? On relations tête l'appendice xiphoïde. On regarde du cœur. Pour explorer quoi? Explorer quoi? Le péricarde. Alors, c'est mal. La sonde, il va chercher les penchements où? Il va chercher les penchements où? Au niveau pleural, mais aussi au niveau péritonéal. Donc, on peut chercher l'hémothorax, l'incidence hérédite, et l'hémopéritoine. Ici, je cherche l'hémothorax, ici, l'hémopéritoine. Là aussi, je cherche quoi? Faites les coupes sur le cul-de-sac de Douglas. Je cherche quoi? C'est le coupe du cul-de-sac de Douglas. Là aussi, je cherche l'hémopéritoine. Très, très bien. Et avec ces positions sous-xiphoïdiennes, je cherche un Nemo Perica. Très, très. Alors, pour retenir, quand je fais une phase écho, je cherche un épanchement dans les trois T, à savoir péritoine, lèvre et Perica. Alors, les trois T. Péritoine, lèvre. Alors, péritoine, ça, surtout, je cherche les mots péritoine. La plèvre, je cherche quoi au niveau de la plèvre? Je cherche un hémothorax, d'accord? Et le péricarde, je cherche quoi? Un hémopéricarde. Très, très bien. Il a un scanner. D'abord, c'est juste pour l'anatomie. Un scanner avec le monde et un stade. Ça, j'ai eu, je fais moi. Regarde, ça, c'est quoi? Ma souris est sur quoi? Le foyer. On est bien d'accord. Et ça, c'est quoi? C'est le rein. En général, il y a un espace virtuel, comme notre stade, entre le foie et le rein. L'espace
interhépatorénal est égal à espace de Morrison. Morrison, M-O-R-I-2-S-O-N. M-O-R-I-2-S-O-N. Alors, passons de ce côté-là. Ça, c'est quoi? C'est la rate. Et ça? C'est le rein gauche. Là aussi, il y a un espace virtuel entre la rate et le rein. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle l'espace splénorénal gauche? Oui, c'est l'espace de Kohler. Très, très bien. C'est l'espace de Kohler. K-O-H-L-E-R. Espace de Kohler. C'est bon? Alors écoutez, au cours d'une échographie, ces deux espaces, ils vont nous coller, mais faire moins long. Une fois que tu ben chez Haja Khawiya Binatum, ça veut dire quoi? Une fois que tu ben chez Haja Khawiya Binatum, ça veut dire qu'il y a de l'épanchement. Ça veut dire qu'il y a de l'épanchement. Et dans ce contexte-là de traumatisme, cet épanchement ne peut être que du sang. On est bien d'accord? Alors regarde. Est-ce que vous pensez qu'il y a un épanchement chez ces malades? Dans un contexte traumatique, non. Oui, bien sûr, c'est le rhumatologue qui fait ça. Tout médecin, peu importe, le cas spécialiste. Est-ce que vous arrivez à voir le foie et le rein? Est-ce que vous arrivez à les voir? Est-ce qu'il y a chez Espace Binatio? On voit bien qu'ils sont. On voit bien qu'ils sont collés. Rappelez-moi cet espace, il s'appelle comment? L'espace de Morrison. D'accord? Très, très bien. C'est bon. Ça, c'est un aspect normal, OK? Alors regardez maintenant. Dites-moi qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a quelque chose? N'y a rien. Très bien. Alors regardez maintenant. Est-ce que vous arrivez à voir l'espace de Maurice? Très bien. Est-ce que c'est normal cette image-là? On voit bien qu'il y a de l'épanchement. Maintenant, voilà, c'est petit triangle noir. Très bien. Est-ce que c'est un épanchement de grande abondance? Non. Donc, finalement, on peut dire que l'élément péritoine chez ce patient est de. De petite à moyenne abondance. OK. Ça explique quoi? Ça explique quoi? Cette faible abondance de l'hémopéritone, ça explique quoi chez Smeri? Bravo, M. Ça explique que l'hémoglobine m'a touché bizarre. Vous avez compris? Elle faut qu'un hémopéritone dire ça, moi j'ai de fâche. Entre hémoglobine 1, 2, 3, elle n'est pas vraiment en état de choc. C'est clair? Vous avez vu la différence? Vous avez compris la différence? Alors, une fois que je suis de la cour, vous n'allez jamais oublier. C'est bon? L'espace de Morrison doit être virtuel. C'est clair? Là, il n'y a pas plus facile. Je drain la sonde. L'échographie, je de la sonde, un bota vers la base droite. Il y a de la coupe à dire. Je trouve qu'il y a un espace binaturement. Ça ne prend même pas 10 secondes. Alors, est-ce qu'il y a un espace entre le foie et le rein? Vous pensez? Je n'ai rien vu. Je vois très bien que le foie est collé au rein. Voilà, regardez-le.
Est-ce qu'il y a de l'épanchement intra-péritonéal? Non. Mais il y a un problème. Je vois quelque chose. Faut que je le voie. C'est quoi? Ici. Le frottement? Je dis le frottement. Ah, je vous montre une image plus claire. C'est le même malade. Qu'est-ce que vous regardez au-dessus du foie? Le foie, c'est un. C'est un très très bien. C'est un pneumothorax. C'est un pneumothorax. Très très bien. Vous avez vu la différence? Le pneumothorax chez Smile, il est comment? Tout ça, c'est la plèvre. Parce que ça, c'est le foyer. Ça, c'est quoi en blanc? Ça, c'est quoi en blanc, à votre avis? C'est quoi en blanc? Très bien. C'est le diaphragme. Non, c'est le diaphragme. D'accord? Et là, tout ce qui est noir, c'est anéchogène, c'est du liquide. Et dans un contexte traumatique, ça peut être un pneumothorax. C'est clair? Maintenant, regarde. Je mets la sonde. Ça, c'est le foie. Ça, c'est quoi? C'est le cœur. De la ligne échogène, c'est entre le foie et le péricarde. Ce qui est normal. Est-ce que vous arrivez à voir les quatre cavités? Est-ce que vous arrivez à voir les quatre cavités? Est-ce qu'il y a un épanchement péricardique chez ce patient? Non, on voit très bien que la ligne inaïe, elle est vraiment collée entre la rate et le, pardon, entre le foie ici et le cœur. Alors, regardez maintenant. Est-ce qu'il y a un épanchement péricardique? La position de la sonde, elle est sous l'appendice xiphoïde. Vous voyez qu'elle compte le schéma. Encore une assez. Pas carrément sur une guinrate, mais bon, il y a de l'épanchement. On voit très bien que le foie péricale, on voit bien qu'il y a de l'épanchement péricale. C'est bon? C'est bon? Alors maintenant, devant tout patient, après avoir demandé le bilan initial, n'importe quel examen on commence, j'enchaîne par les autres examens paracliniques. Il y a une fameuse abréviation, SMA, I, B, A. D'accord? I, B, A. Donc, I qu'on voyait, c'est imagerie. OK? B, biologie. Et A, c'est autre. Ça fait? Imagerie, biologie et autres. C'est clair? Small rhizome question drôle. T'as dit IBA phrase. IBA phrase. Déligé à la Russie, t'as dit, ok, ou la kiff la vraie vie, t'as un classé avec Chili Tlot en fonction de l'importance du diagnostic. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Très, très bien. Alors maintenant, écoutez. Radit Goulilia, le I de Smail, accent de l'eau. Et la couche, l'intro de l'eau. Le I de Smail, je demande quoi? C'est bon, face d'écho, c'est bon. Prenez ça, voilà. Body scanner. Très bien. On va demander d'abord un body scanner. Quand je dis body scanner, c'est 5 scanners. C'est 5 scanners. Le crâne, le rachis, le thorax, l'abdomen et le bilan. Bien sûr, après stabilisation. Le body scanner, après la zif, l'imagerie, qu'est-ce qu'on va demander aussi? Si tu demandes un scanner thoracique, largement, la radio thorax ou
Je vais demander des radios des membres au cas où il y a des membres qui sont atteints. Je suis d'accord avec vous. Non, il y a un rachisme. C'est un peu fort. Radio-rachis, c'est un petit scanner. On a fait le flou, on a fait le bas du scanner, on a fait le radio des membres, il est quinte. Non, radio sans prépa. Chauffe, il n'y a pas mieux que le bas du scanner pour le bilan lésionnel des imageries pour le trauma grave. Mieux que radio de bassin, mieux que radio ASP. Ça fait body scanner. Body scanner, c'est scanner corps entier. Fait 5 scanners. Fait 5 scanners. Scanner crâne cérébral, cervical, thorax, abdomen et bassin. Je demande radio des membres internes. Si tu lis un exemple, mon artéographie, pas vraiment. C'est un patient qui a eu. Arrête-toi, il a eu quoi? Des écorchures, quoi? Qui peut me rappeler des points d'impact? Qui peut me rappeler des points d'impact? Les écorchures thoraciques. Alors, on va demander quoi par rapport au thorax comme imagerie? Oui, tu m'as demandé les scanners thoraciques, tu as vu la radio. Non, pas vraiment fibromyalgie. ECG, ce n'est pas un examen d'image. C'est l'écho. Très, très bien. Il aurait aussi fallu penser à l'échocardiogramme. Non, fait chauffer, j'allais appeler l'échographie, il n'est pas pendant la récréation. Ça fait, ça n'a rien à voir. Elle dit échographie, il y a que ça. Échocardiogramme. Donc, dans l'imagerie, on va demander les balises scanner. On va demander l'écho. C'est clair? C'est bon? Alors, biologie, vous demandez quoi? Trauma-bronchique, il faut avoir les syndioles ou l'emphysème et tout, mais ce malade n'a pas l'emphysème. On va demander la NFS. Pourquoi la NFS? Chaque examen, il faut le justifier. La NFS plaquette pour. Pour l'hémoglobine et autre chose. Restons dans le NFS. Pour l'hémoglobine et les plaquettes. Il y a la clidor. La NFS au départ, c'est un traumatisme. Je cherche et l'hémoglobine et plaquettes. Ça marche? Alors, la NFS, c'est une aline. Je n'en fais pas. Un ionogramme, très très bien, bravo. Quoi d'autre? À côté ionogramme, la fonction rénale, la fonction hépatique, le bilan d'hémostase et les gaz du sang. Très très bien. On verra par suite l'utilité de la chicken. Et autre, vous demandez quoi? Autre, il faut demander quoi? Groupage et la transfusion. Écoutez, quand vous demandez une transfusion, c'est un septomal groupage. Donc, on va demander un ECG eu égard à l'atteinte thoracique probable. Thoracique, maintenant, touche les belles le cœur. Dans le badrel et motorax, dans le thorax, ECG pour chercher s'il n'y a pas de troubles de rythme, corollaire d'une atteinte cardiaque. Bien sûr, il faut compléter par une échocardiographie. Donc, voici les examens qu'on va demander. Dans l'imagerie, on va demander le body scanner et l'échocardiographie. Dans la biologie, on va demander NFS plaquettes, hémostase, ionogramme, fonction rénale, fonction hépatique et gaz du sang. Et dans l'autre, on va demander le CG. C'est clair? Le mot-clé que je veux que vous reteniez à travers le stade d'aujourd'hui, deux mots-clés en fait. Aoul-Haja pour les examens complémentaires. Commencez par l'examen complémentaire le plus pertinent. Et le deuxième mot-clé, c'est IB. Toujours, IB, imagerie, biologie et autres. La prochaine fois, tous les examens de SMAIL vont être affichés et vous allez commencer à interpréter vous-même. Donc, entre le double et le même, hein, parce que j'ai les examens complémentaires, il va falloir les interpréter
Parce que derrière tout ça, on aura une conclusion, un diagnostic, on aura dit, mais dans la prescription des 24 premières heures, effectivement, la prescription initiale. C'est clair? Ça peut être un mythe, ça peut être une endoscopie. Neda, oui, c'est une bonne idée. On peut demander un Doppler transcarné. Tu as raison. C'est bon? Alors, le staff prochain, dites-le à vos amis, ce sera le samedi, inshallah. Il y a pas de rendez-vous. Le samedi prochain, le staff. C'est bon? Est-ce que c'est bien noté? Dites-le à vos amis. Voilà, j'en ai marre de le staff pour comme ça qu'ils peuvent suivre. Donc, le samedi prochain, c'est le staff, Inch'Allah. C'est clair? Il y en a pas.